Tu parles de ton ressenti, de ce que tu viens de vivre sur scène, de ta prochaine scène, de ton raté que tu viens de faire. Moi, j'ai beaucoup aimé quand les ados sont aperçus qu'ils étaient en train de parler sur scène et qu'ils étaient encore dans les coulisses. Oh merde, c'est nous, c'est... Oh mais c'est nous. Vite, on court. On arrive comme ça, comme si on était perdus. Alors... Voilà, là, on vient d'arriver en retard. C'est la merde. On a tous couru comme des... Et il m'a dit, bon, on va te mettre sur scène, il fait noir, personne ne verra rien et tout. Je lui ai dit, oui, mais j'ai pas le micro. On était à tous chanter, à... et c'était vachement joli. Et enfin, au moment où elle monte super. Là, et que... on a entendu un grand cri dans les coulisses. Il y avait tout le monde avec elle. Ouais. Et donc je prends le lien derrière les coulisses, le lien qui avait un nœud. En fait, sincèrement, j'ai pensé à tout ce qui pouvait se passer pendant le spectacle, sauf à ça. Grand moment de solitude de 30 secondes et demie, où je me dis, mais que fait-il? Puis la lumière s'allume, donc on me voit en train de finir d'enlever ce nœud. Et puis, je mets ma main direct, hop, Nathalie se lève, et puis là, je lui donne le lien. En disant, en disant, y a un nœud. Concentré énormément sur cette main et le lien qu'il fallait pas qu'on lâche. Et du coup, c'est la chute. Elle t'a vu t'effondrer. Ah oui, j'ai vu de A à Z. Moi, j'ai entendu.